Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sous la canopée, ici Monsieur Green. Et si l'imagination était notre moyen de voyager? Si nous pouvions ressentir nos émotions physiquement, sans bouger le moindre orteil? Découvrir sans émettre le moindre gramme de CO2. C'est ce que je vous propose aujourd'hui avec ce voyage sensoriel, autour du globe et à travers le temps. Pour débuter notre périple, rien de compliqué, nous sommes en 1920 sur le quai de gare à Paris et nous allons prendre dans quelques instants et pour la première fois le mythique Orient Express pour nous rendre tout d'abord à Venise, puis au terminus Constantinople. Attention, vous êtes prêts? C'est parti! Où va-t-on s'installer? Certainement près d'une baie vitrée pour pouvoir apprécier le paysage qui défile. Et oui, ce train si prestigieux ne roule qu'à 55 km/h et nous permet d'observer les campagnes de France et d'Italie. Bien évidemment, je ne peux m'empêcher de visiter les différents wagons du train qui sont somptueux. La durée du voyage étant assez longue, tout est mis à notre disposition pour nous sentir bien et confortablement installés. À travers le voyage, nous oublions trop souvent que le trajet est l'aventure et que la destination finale n'en est que l'aboutissement. L'Orient Express a justement connu son apogée dans les années 1920, alors décoré par de grands noms comme René Proulx, décorateur, ou bien encore René Lalique, maître verrier. Écoutez le son. Imaginez les paysages défilant devant vos yeux. Prenez le temps, entre les grandes fermes et les champs immenses jonchés de paysans et d'animaux de trait, qu'il est bon de nourrir par la vue son imaginaire. Les jours, les nuits s'enchaînent, c'est à l'aube qu'un long sifflement nous avertit que nous arrivons aux portes de Venise. Bien évidemment, nous ne pouvons y parvenir qu'en empruntant de petits bateaux, appelés aujourd'hui vaporetto. Allons-y, n'ayez crainte si le rebord du bateau est pratiquement au niveau de l'eau. C'est comme ça ici. Venezia. Située sur les rives de la mer Adriatique, Venise s'étend sur un ensemble de 121 petites îles, séparées par un réseau de canaux et reliées par 435 ponts. Au milieu de la lagune, elle est réputée à travers le monde pour sa situation géographique, mais également pour son architecture et son patrimoine culturel. Grande puissance maritime, Marco Polo fut le lien entre celle-ci, l'Asie et le Proche-Orient. Écoutez le son du Vaporetto, petit taxi flottant vénitien qui vous transporte d'île en île. Appréciez également le silence d'une ville 100% piétonne. Vous prendrez bien une petite glace italienne. Admirez les édifices, tels le Campanile ou encore la Basilique Saint-Marc. Dans certains bâtiments, en hauteur, vous pouvez même avoir le mal de mer dû aux vagues générées par les bateaux. Vous aimez le romantisme et le mystère? Laissez-vous emporter sous les ponts grâce aux gondoliers. Traversez le pont des soupirs comme pouvaient le faire les prisonniers pour retrouver la liberté. Et déguisez-vous jusqu'au bout de la nuit lors du grand carnaval, figé dans la période Renaissance. Molte grazie, Venezia. Il est grand temps de rejoindre notre train pour continuer notre voyage jusqu'à Constantinople qui, dès 1930, portera le nom d'Istanbul. Istanbul fut Byzance pour les Grecs, la Constantinople de l'Empire romain d'Orient et la capitale des sultans ottomans. Il y a plus de 1000 ans déjà, les Chinois l'appelaient la ville des villes. 4 zones historiques figurent sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1985. Avec une estimation de 15 millions d'habitants en 2014,
Elle est l'une des plus grandes aires urbaines du monde. Mais c'est avant tout une ville cosmopolite, au riche héritage culturel et historique. Une sensation étrange et mystique se dégage par la contemplation du Bosphore, où finit l'Europe et où commence l'Asie. Admirez Hagia Sophia, la grande basilique chrétienne, qui signifie « sagesse des dieux ». Construite par Anthémius de Thrale et Isidore de Milet, à la demande de l'empereur Justinien Ier. Ouverte depuis 537, elle a subi de nombreuses transformations au cours des siècles. En 1453, elle fut transformée en mosquée d'où quatre minarets furent érigés. Célèbre pour ses mosaïques à fond d'or, elle est couverte d'une coupole à 40 côtés inégalée durant 9 siècles. Le bâtiment est soutenu par 107 colonnes, 40 en bas et 67 au premier étage. Outre son architecture, Istanbul est située dans une des régions botaniques les plus riches de l'Asie, de l'Europe et même du monde, avec une couverture forestière de 45%. Ne soyons pas surpris à notre départ de voir nos amis turcs nous jeter de l'eau. C'est pour nous apporter protection au cours de notre voyage. Laissons Istanbul illuminer ses minarets tels des chandeliers en pleine nuit pour continuer notre périple. Teşekkürler, Istanbul. Tiens, regardez ce tapis au sol. Et si nous l'empruntions pour continuer notre traversée? Allez hop, on s'envole. Traversons rapidement l'Irak, l'Iran et le Pakistan pour nous retrouver en Inde, dans le pays d'un de mes amis Prakash, qui sait me ravir en m'envoyant régulièrement du curry de Madras. Deuxième pays le plus peuplé et septième pays le plus grand au monde, laissez-vous enivrer par les odeurs d'épices et leurs couleurs somptueuses. Berceau de différentes religions, l'Inde remue, l'Inde secoue. Entre dureté de vie et beauté, il faut se laisser happer par cette dualité qui déconcerte. Gardons en mémoire la magie des rencontres, les couleurs et les instants de grâce d'une femme en sari, ou l'élégance de l'enroulement d'un turban. Nous y passerons la nuit avec une chaleur moite et toute la lenteur qu'elle suppose. Namasté Bharat, namasté Prakash. Le soleil se lève enfin, nous donnant la signification de notre prochaine destination, le Japon. Ce pays insulaire de l'Asie de l'Est nous surprend par ses codes complètement différents. Entre thé noir, thé vert, thé oolong ou thé blanc, une légende nous dit qu'un prince indien décidé de prêcher le bouddhisme à travers les contrées fit vœu de ne jamais dormir afin de ne pas voler un seul instant à sa mission. Pourtant, un jour il tomba de fatigue. À son réveil, ivre de colère, il s'arracha les paupières et les jeta. Quelques années plus tard, en passant au même endroit, il y vit deux arbustes dont les feuilles avaient le pouvoir de maintenir l'esprit en éveil. Depuis 1945, le Japon forme un archipel de 6852 îles de plus de 100 mètres carrés, dont les plus grandes sont Hokkaido, Honshu, Shikoku et Kyushu. Arigato Nippon. Quelle destination maintenant? Plutôt vers le nord, la Russie et l'Arctique, histoire de prendre une bouffée d'air frais, ou plutôt vers le sud avec l'Australie et ses animaux emblématiques? Eh bien, suivons ce chemin, mais continuons tout de même un peu plus loin, vers l'ouest, pour découvrir Madagascar et tout l'imaginaire que cet état insulaire de l'océan Indien nous inspire. Par sa position géographique et son isolement, Madagascar dispose d'une faune et d'une flore uniques au monde, comme par exemple l'apalémure gris du lac Alaotre, seul primate de la famille des lémuriens au monde à vivre dans une zone marécageuse composée de papyrus et de roseaux. Il mesure 66 cm et pèse 900 grammes. Au début du XXIe siècle, ce ne sont pas moins de 600 nouvelles espèces découvertes, parmi lesquelles nous pouvons citer le baobab amoureux, une espèce végétale remarquable pouvant atteindre jusqu'à 30 mètres de haut et pouvant vivre jusqu'à 1000 ans. Sa particularité est qu'il se forme de deux troncs entrelacés comme deux amoureux inséparables
d'où son appellation. Fissaorana madagascara. Profitons pour embarquer sur un petit voilier et naviguer jusqu'en Argentine, en Amérique du Sud, et découvrons la Patagonie. Située entre la partie chilienne et argentine, séparée par la cordillère des Andes, retenez votre souffle et admirez. Entre montagnes, glaciers, pampas, forêts subpolaires, littoraux, îles et archipels, laissez-vous submerger par la nature brute à perte de vue, réduisant notre humanité à un simple grain de sable. Entendez-vous le condor des Andes planant au-dessus de nos têtes? Le puma, le guanaco qui est le lama endémique, ou encore le renard de Magellan nous observant? En nous rapprochant de la côte, nous pouvons également voir les manchots, l'otarie à fourrure australe, ou encore le dauphin de commerçant, Agradiseki Patagonia. Après cette ivresse de paysage aussi vaste, remontons au nord des États-Unis et plus précisément en Alaska. En Aléout, langue esquimo, Alaska signifie « grande terre ». Effectivement, avec une superficie totale d'1 717 854 km², ce grand territoire n'est pourtant habité que par 700 000 habitants. Ici aussi, des paysages à couper le souffle, où terre et ciel se fondent, où des phénomènes météorologiques comme les aurores boréales illuminent nos yeux. Dans ce climat polaire, une toute autre végétation, la toundra, et une toute autre faune, comme le grizzly, le caribou, l'orignal ou encore l'ours blanc, effrayant mais tellement captivant. Thank you, Alaska. Parce qu'il est peut-être temps de rentrer, et qu'en une seule vie nous serions incapables de voir toutes les beautés de ce monde, nous devons continuer à nourrir notre imagination, à nous émerveiller de ce que nous pouvons déjà connaître, alors que nous savons pertinemment que nous en ignorons encore une grande partie. Quittons donc l'Amérique du Nord pour rentrer progressivement à la maison, un dernier passage obligé par Paris, puis nous voici de retour en Dordogne, plus précisément à Montignac, aux grottes de Lascaux. Surnommée la chapelle Sixtine du pariétal, ces grottes ornées du paléolithique nous offrent un retour à nos origines. Estimées entre 19 000 et 17 000 ans, les peintures et gravures qu'elles renferment en disent long sur notre évolution. Selon la légende, le 8 décembre 1940, Marcel Ravida se promène avec son chien Robot près de Montignac-Lascaux. D'un coup, Robot se met à poursuivre un lapin qui se terre dans un minuscule trou de 20 cm d'où un arbre avait été déraciné. En essayant de le débusquer, Marcel lance des pierres à travers le trou. Il constate alors que celui-ci communique avec une vaste cavité. Quelques jours plus tard, les premières peintures seront découvertes. Merci la Dordogne. En imaginant cette vie passée, nous ne pouvons que rester admiratifs des connaissances que nous avons aujourd'hui sur l'homme et son environnement. Comme vous avez pu l'entendre, peu importe la distance, la beauté, le miracle de la vie est partout et n'a nul besoin d'être vu de chacun, tant que notre imagination nous permet de faire le tour du monde sans bouger d'un iota. Alors que les vacances d'été se profilent, vous l'aurez compris, M. Green restera chez lui à cultiver son jardin pour mieux vous retrouver au mois de septembre. Sur tout l'été, retrouvez les meilleures émissions de Sous la Canopée. C'est tout pour aujourd'hui. Excellentes vacances à toutes et à tous. C'était M. Green. Fin de la retransmission. Comment c'était? Oh, 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 c'était un pur délire. J'ai trouvé ça. Ouais, Green, oui. Green, comment? Oh, super Green. Green, aussi green que ça peut être. Green, la puissance des Green, tu vois? Mais tu vois le Green absolu. Green, un Green plus Green.